Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Brief, je suis très heureux de vous retrouver pour la partie 16 de Star Wars Outlaw. On va bientôt arriver à la fin, je le sens, puisqu'on commence à réunir tout l'équipage pour faire ce braquage, qui va être l'ultime braquage. Très heureux de vous retrouver comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter comme d'habitude, si vous plaît. Oui, je dis beaucoup de fois comme d'habitude, mais c'est pas grave. Et normalement, petit plus pour ceux qui ont suivi la série depuis le début, si vous avez de la chance, j'ai corrigé mes problèmes audio, et ça c'est beau. Bref, on perd pas de temps. Regarde ce que nous avons à faire dans le journal. Eh ben, c'est ça. Il faut qu'on se rende au spatioport de Kim Jimmy. Voilà. Eh ben, on est au spatioport de Kim Jimmy, si la mémoire est bonne, puisque c'est là où on s'était arrêté à l'épisode précédent. Enfin, si la planète, c'est bien Kim Jimmy, parce que... Dans le cas contraire, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. Ah, si, c'est bon. Il ne reste plus qu'à trouver le meilleur pirate de la galaxie. Nous avons plusieurs candidats. Initialisation du projet Tron. JX3 9 4 M 5 7 7 7. Ces systèmes plantent tous à la suite. À mon avis, il aurait besoin d'un régulateur, mais sa place est dans un musée. Que se passe-t-il? Je ne vois plus rien. Désolé de dire ça, mais il n'était pas censé te blaster si tu respectais pas les plans de Jaylen. C'est peut-être l'occasion. Non. Essaie encore. Ok. Il y a une vieille usine du temps de la guerre des clones. Il faut qu'on parle à Kevin. Maintenant, Kay. Ok. Je suis vraiment désolé d'avoir coupé un peu de cinématique, c'était pas du tout prévu. J'ai eu un... J'ai cru que j'avais un souci avec OBS, donc je me suis dit il fallait que je coupe au plus tôt. Quitte à en prendre un plus tôt et pas vous laisser traîner avec un lag sans son. Donc vraiment, je vous présente mes excuses. Il faut aller au spatioport, donc c'est-à-dire qu'il faut de... Akiva, donc il faut qu'on change de planète, oui c'est ça. J'avais un... Jaylen attend toujours ton holo appel. Oh mais va mieux d'un coup. Allez, c'est l'heure. C'est compris. Oh bah c'était rapide pour une fois. Alors, faut qu'on aille dans l'orbite d'Akiva. Hyperpropulseur en route. Ouais, mais la route en hyperespace elle est bloquée. Ah, je crois que ça a l'air d'aller là. Eh ben on y va. Allez, on saute. Ah, c'est bon, t'es Hank. Après, on va te manipuler la boîte de carrelade de pacifiste à la tête d'un Shiga, caillon de Hank, talentueuse perceuse de coffre et artificielle. Le temps de Jared, pour le braquage, se met en place pour des jeux de combat, qui est de assez d'argent pour changer de vie. Bien. Alors, l'espace d'Akiva, oui. Hop, hop, hop. Ah, je crois qu'il y a un petit point impérial qui traîne. Hein. Je peux normalement pas trop tarder à pouvoir
Atterrir. Alors, comme d'habitude, oui, je regarde par rapport au BS. J'ai toujours ce stress, hein, j'arriverai pas à m'en séparer. C'est dû au fait qu'au début du jeu, les écrans de chargement étaient tellement longs, alors que j'ai pas changé grand chose au graphisme depuis le temps. C'était insupportable de tout recommencer en fait à chaque fois. Et ça m'est arrivé de recommencer le jeu depuis le début, juste pour pouvoir récapituler. C'est pour ça que je compare des sauvegardes, je continue à faire. Coucou, c'est nous, on est de retour. Zin n'est pas loin. Comment je le saurais? Il y a Temin qui sait où le trouver. Tu perds ton temps, Kelly. Quand mes systèmes s'éteindront, Jaylen t'enverra un remplaçant compétent. Bon, toi, t'économises ton énergie, d'accord? Il doit être par là, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait si Temin ne peut rien pour lui? Pas grand-chose, Kay. ND5 est un vieux droïde. Il a besoin d'un régulateur de composés provenant d'un noyau de puissance PX original. Je vous en prie, continuez à parler comme si je n'étais pas là, c'est très enrichissant. Ça doit être là. Et je vous rappelle le souci des portes qu'on a. Ah non, ça s'ouvre. Juste qu'on y voit un peu plus clair, quoi. On y est. Autre chose. Et si vous alliez voir ailleurs, plutôt? Kay? Elle va être facile, cette marque de mort. Vous savez que j'ai un droïde de combat. Et tu crois que Zerek Besh a peur de Stade Ferraille? Hé, ND, t'as failli me tuer. Unité droïde commando BX au rapport. Une unité BX fonctionnelle? Toutes celles que j'ai vues étaient en pièces. Il ne va plus marcher bien longtemps. C'est son noyau de puissance qui décroche. Ouais, on m'a dit que tu savais où en trouver un œuf surtout. Eh bien, j'espérais que ça resterait secret. Mais suis-moi, je vais te montrer. Bien. Tu trouveras l'usine dans les catacombes. T'imagines même pas tout ce qu'on peut dénicher là-dedans. Bon, faut t'as pas de chance. J'ai plein de problèmes au niveau des schématiques. Je pense qu'il a décidé de construire Mira au-dessus d'un cimetière. Ouais, forcément, moi, c'est une conception efficace. Ah, là, ouais. Au moins, une journée, quoi. T'es vraiment pas drôle quand t'es amoché, toi. Et bon, c'est pas grave. Alors, le chemin vers l'usine commence dans ton sous-sol? Pourquoi j'ai acheté cet endroit, d'après toi? Le problème, c'est que les moussons arrivent, donc ma route habituelle est inondée. Mais tu te débrouilleras, pas vrai? Il faudra bien. Merci, Temin. Eh ben, je pense qu'on doit aller par là. Ouh, faut descendre. Hop, oui, c'est tout bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'enterré ici, d'après toi? Me dis pas que t'as peur du noir. Quoi? J'ai pas peur. Mais... il y avait toujours des millions de lumières à Cantobite. Reste à proximité, d'accord? C'est un vrai labyrinthe ici. Je sais pas si on peut nager. On peut nager? Ah, il n'y a pas besoin de nager en fait. Ok, je vois une conduite d'alimentation. Elle devrait nous mener vers l'usine. Ok, je te fais confiance. Moi, j'aimerais bien faire confiance à quelqu'un qui me trouvera des graphismes qui chargent. D'habitude, dans l'intérieur, ça va, j'ai un petit peu de soucis. Ah, il y a une flèche, ça nous aide. J'ai
trouve que c'est un mur à détruire, ça. Ah oui. Bon, comment je vais faire pour grimper là-haut? C'est l'œuvre des séparatistes. L'usine ne doit pas être loin. Sûrement par là, hein. Alors. Si on essaie d'utiliser notre jugeote un petit peu, parce que... On passe pas par là sans raison. Peut-être que si, hein. Est-ce que je peux entrer malgré tout? Bon, j'aurais dit oui, hein. Viens, Nix. On doit baisser cette échelle. Ça a marché. Bien joué, Kay. On arrive. Ok, donc il monte. Alors, moi, j'aimerais bien passer par là. Une impasse. Ah, pas pour nous. Je ne pars jamais de chez moi sans mon découpeur à fusion. Oh bah plus dont on a besoin, c'est parti. Par ici. Ah merci. C'est bien plus impressionnant. Nix, cache-toi. Comment ça se cacher? Oh, il y a un droïde B1. Ouvre! Ouvre la trappe! Garde ça ouvert! Okay. Voilà le travail. Oh, ce turbo-ascenseur date de la guerre des clones. Tu peux le faire marcher, surtout? Dick, t'es sûr que la console fonctionne encore? Non. Regarde ça, il y a eu un court-circuit. Ça veut dire que tu vas devoir trouver un autre moyen d'alimenter le turbo-ascenseur. Il y a sûrement une console auxiliaire en bas. Ah bah oui, je vais te le dire. Garde ça ouvert, surtout! Ça marche pas si je... Non, faut vraiment y aller. Bon bah tant pis. Console auxiliaire en bas. Non, c'est par où? Ah, bah merci de l'ouvrir. Ça, c'est ce que j'appelle le travail d'équipe. Hop. Voyons. On va encore descendre? On va redescendre. Alors. Bon, regardons ça. Faut pas descendre plus bas là. On y est. Ah, il y a un ordinateur. On va le pirater. Trop facile. Ok. Yedick, j'ai rallumé la console auxiliaire. Ok, j'arrive dans une minute. Quelques bons convertisseurs rouillés à nettoyer. Oula, c'est quoi ce bruit bizarre? Tu veux bien te dépêcher? Je crois que je suis pas toute seule ici. Bon.
parades d'ailleurs. C'est des bêtes de Samako. Ah, et bah, elles sont mortes maintenant. Unité B1-275, répondez. Unité B1-699, répondez. Unité B1-888, quel est votre statut? MD, elles sont mortes. On doit avancer. Oui. Je suis au courant. Je vais... réactiver la porte. Merci beaucoup. On dirait que la République a trouvé l'usine. Une sorte de proximité, mais derrière moi. Un problème, MD? Allez, arrête de tirer, je la contrôle ici. Je m'en occupe. C'est bon. Il lance tasse de transport. Ouais, mais ce panneau de contrôle est grillé. Je vais trouver un autre moyen de franchir cette porte. Tiens, t'auras peut-être besoin de mon découpeur à fusion. Tu en as déjà utilisé un? J'en ai vu suffisamment dans le quartier sud. Ah ouais, c'est vrai. Je vais voir ce que je peux faire pour MD5. Bon. Ça nous arrange pas. Alors je regarde juste un petit détail. C'est bon. Ah! Faut aller par là? Faut aller par où? Ah non, déverrouiller la porte. Mais... faut apprendre à lire aussi. Alors nous revoilà. Alors c'est normal que je n'y arrivais pas. C'est que je suis débile. Et en même temps pas débile parce que ça me force à aller en dessous. Alors j'ai pas vu, c'est le petit torchon jaune qui va dire tiens tiens mais c'est là où il faut aller. Bah là oui ça passe beaucoup mieux là. Voilà. Ça va être plus facile maintenant. Hop, oui ça va être plus facile. Parce que maintenant on va utiliser toutes les deux secondes. Ah oui. Pour le renta, hein. Par contre, on est obligé d'avoir déjà le marquage qui s'est soudé parce qu'au soir, vu qu'il n'y a pas de mini-jeu avec, ça a marché. Ça repart à grand chose, c'est juste une animation quoi. Tu penses pouvoir ouvrir ça, Nyx? Nyx, allez. Là, non, théoriquement, je devrais pouvoir passer, mais le jeu veut pas. Ah, du pic de données, ça faisait longtemps. Très bien. Et une fois j'ai dû en faire 5, hein. Enfin, d'un coup bip 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 là 5 fois. Je vous dis que c'est long, hein. Ok, je vais sortir ND5 de sa stase. Comment est-ce qu'on sait qu'il nous attaquera pas une fois réveillé? T'es assez forte pour le transporter, toi? Parce que pas moi. Ok, réveille-le. Kay, que s'est-il passé? Je suis resté KO longtemps. T'en fais pas pour ça. Reste avec Giddick, d'accord? Bon, ben voilà, la porte elle est ouverte. L'usine. Tu imagines la quantité de pièces vintage à l'intérieur? Les droïdes hybrides qu'on pourrait fabriquer? Ah, ouais, je comprends pourquoi tes mines l'a gardée secrète. Là, là, quelque chose me dit qu'on doit descendre, bizarre. T'es assemblé dans un endroit comme ça. Et c'est bien ce qu'on espère. Accroche-toi pendant que j'ouvre la porte. Parce que là, il veut qu'on ouvre la porte, hein. Et j'ai l'impression que il y a des indications pour descendre. Hein. Rien ici. On va juste vérifier pour être sûr. Et là, on a bien une flèche qui nous dit hey, il faudrait descendre. Donc la question, je me dis, c'est ça qu'il faudrait faire. Voilà. Allez là. On sait que là il faut y aller. Hein.
relève-nous. Merci. Tu peux garder ça ouvert pour moi ? Bonjour, je passe dessous. Alors, visiblement, pour encore descendre. Hein. Peut-être pas cette descente-là. Hein. Voyons. Là. Là, c'était plutôt un trou. Après, il y a une flèche. Hein. Je crois. Ou je suis juste idiot. Ce qui est possible aussi. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? T'as réussi, Kay. La porte s'ouvre. On se voit à l'intérieur. Super. Oh, sérieux. Hé, hey, Giddick, je suis coincé. Un petit coup de main ? Je vais te sortir de là. Tiens bon. Ouais, j'en profite. Alors. Bon, c'est parti. Faut qu'on aille là-bas maintenant. C'est incroyable. Tu vois ça, Kay ? Il doit y avoir des centaines de droïdes ici. C'est plutôt flippant. Et il y a un seul droïde qui m'intéresse ici pour le moment. Ok, je me concentre. Oh, ça serait pas un modèle de commandement, ça ? Giddick ! Je suis sûr qu'Ubisoft, ils ont fait des compiles, des gens qui disent bip bip. Si je tombe dans ces compiles, je suis mort. Waouh, c'est tellement grand ici. Bien. Sauter, je suppose. Ok, ce turbo ascenseur n'a pas tué. Oh, est-ce qu'il y a encore un truc qui fonctionne ici ? Giddick, tu peux faire quelque chose ? Ok, ok, je m'en occupe. Non. Ok, faut que j'alimente cette console. Il y a un générateur qui tourne, il me suffit de trouver le moyen de traverser cette salle d'assemblage et d'allumer les deux autres. Hop. Ouais, puisqu'on reviendra jamais, autant piquer, hein. C'est bon. Alors. Imagine tous les druides qui se réveillent, ils étaient juste en sommeil. Ça serait horrible. Ça serait un peu apocalypse là. Je peux le stabiliser, pour un moment du moins. Fais ton possible, d'accord ? Hop là. Encore un générateur. Encore un générateur, oui. Oh. Ouais, peut-être pas. Je crois qu'il fallait sauter pour. Ouais, il fallait sauter, hein. Non ? Ça remonte ou pas ? Ah oui.
Eh ben, on peut descendre. Oula, encore plus chaud là. Ok, c'est bon. Ah. Ok. Hop, voilà. Oh, on a eu chaud. Ah, c'est pour aller où? Ouais, on va pas aller très très loin. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Facile celui-là, tant mieux. Wow. Ok Giddick, l'ascenseur fonctionne maintenant. J'entends des bruits, Kay. Je crois qu'on a été suivi. Tu peux nous défendre. Et si jamais tu tombes en rade et que tu me tires dessus? Non, avancez tous les deux. Je vais aller voir. Allons-y. Sur la tête. C'est Rick Besh a trouvé un moyen d'entrer. Je dois d'abord m'occuper d'eux et ensuite je te retrouve. Ok? Étrange. Je détecte des mouvements ici. Non, c'est pas par là où je peux aller. MT5? Giddick? Ah, oh, je les ai perdus. Non, c'est par là. Hein. Faut monter. Ah, faut monter, pas descendre. Mais comment on monte? Je suis encore perdu, non? Moi, je vois comment on peut descendre, mais je vois pas comment on peut monter. Alors. C'est pas par là. C'est pas très clair. Un autre couloir. Hein. Là, on se fait passer par ce couloir. Donc, il nous amène forcément ici. Là, c'est pas jaune, donc je suppose qu'on peut pas y monter. Pas un truc avec le grappin. Ah, là, j'ai trouvé, ça y est, là. D'accord. C'est cool puisque c'est fait pour les débiles et je suis débile. Ah bah c'est bon. Y a des méchants, Nyx. Y en a 3-4, ok. C'est pas en dessous. Ah, ben voilà.
Merde. Du coup, c'est bon. Non, mais c'est une blague. Et c'est censé être une base secrète. Toi, tu dégages de ma route. Je suis venu ici pour ton aide, mais c'est toi qui en as besoin. On va dire qu'une marque de mort sur ma tête, ça suffit. Laisse-les partir. Kay, c'est peut-être la dernière usine de la bordure extérieure. Agent Jedi, alertez le général. Qu'est-ce que tu veux? Les Hutt ont capturé une de nos équipes. Ils comptent la vendre à l'Empire. Si tu aides mes amis, alors j'aiderai les tiens. Tu me doubles encore une fois, et je te vends à l'Empire moi-même. Deal. Ah bah si, ils nous cassent un peu les pieds, ils reviennent tout le temps. Il y a un atelier de réparation ici pendant qu'on cherche la pièce. Je dois le brancher sur une source adaptée aussi vite que possible. J'espère que ça fonctionnera. N'oublie pas, il nous faut un régulateur de composé et il doit provenir d'un noyau de puissance BX original. Allez mon grand. Quand est-ce qu'on part nous? Mon équipe revérifie nos infos sur la position des Hutt. On a quelques ressources, tu devrais penser à faire le plein. Et aller voir ton droïde, tiens. Vérifier qu'il a tout ce qu'il faut. Son nom, c'est ND5. Ouais, pardon. Il y a un vieux turbo-ascenseur de service qu'on utilise comme sortie. Quand tu seras prête, rends-toi à la surface. Ah là là. Hey, Vess. Je crois que... je t'avais mal jugé. Denyon, si tu m'avais dit sur Kanto que t'essayais d'aider un ami, les choses auraient pu être différentes. J'ai pas envie d'en parler. C'était marrant à voir. Je lui dois la prime que j'ai sur la tête. Comment va ND? Je l'ai branché sur l'alimentation de l'usine. Mais je sais pas combien de temps ça suffira. Fais de ton mieux. Je reviendrai dès que j'aurai aidé ces rebelles. Bien. Et toujours dans la quête de l'héritage, oui. Oui. Alors soit les épisodes, c'est surprenant, je peux les faire en 20 minutes, soit ils font au moins 40 minutes. C'est incroyable la différence de durée. Aussi parce que des fois je galère plus que d'autres fois. Quittez la balle aux obèles quand vous êtes prêt. Bah j'attends que ça, hein, j'appelle le turbo ascenseur. Ah, je vais pas y aller à pied, hein. On est où? On est loin, hein. Canopée du chasseur, à 3 km.
Je pense que le mieux, les gens, c'est qu'on fasse l'épisode en deux parties. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui de préférence. Je pense que l'autre partie sera un peu plus longue. Comme d'habitude, si le contenu vous plaît, on s'abonne, on like, on partage, on commente. Moi, je vous dis à très vite. Des bisous. Salut, salut.